Actrice incontestée de Développement à la base, la femme rurale que le monde célèbre chaque 15 octobre survit aux dures épreuves de la vie. Aux travaux champêtres, il faut ajouter la corvée d'eau, l'éducation des enfants, les problèmes de santé et le faible pouvoir d'achat. À la faveur de la conférence sur les femmes à Beijing en 1995, la femme rurale suscite aujourd'hui beaucoup d'intérêt. Au Togo, la 14e édition de la Journée mondiale de la femme rurale a été lancée à Astrama, dans le Haro, sous le thème « Le droit à la santé et au bien-être ». Occasion pour Madame la ministre de l'Action sociale et de la promotion de la femme de faire le point des différentes actions du gouvernement en faveur de la femme rurale. Le choix de ce thème est d'une importance capitale dans la mesure où tout développement humain durable est centré sur la bonne santé de la population. Conscient de cette situation, le gouvernement togolais s'efforce à travers des mesures d'ordre politique, juridique, économique et sociale d'accorder une attention particulière à celles qui nourrissent la planète. En vue de leur assurer une jouissance effective de leurs droits et un meilleur épanouissement pour une pleine participation au processus de développement du Togo, des actions sont menées en leur faveur dans plusieurs domaines. On peut citer en matière de santé des femmes, puisque c'est de cela qu'il s'agit particulièrement aujourd'hui. Les actions récentes, l'adoption le 22 décembre 2006 et la promulgation en janvier 2007 de la loi sur la santé de la reproduction qui s'applique au même titre à la femme rurale qu'aux femmes de toute autre catégorie sociale. Une étude est engagée dans le but d'étudier les modalités d'application de la gratuité de la césarienne au Togo. S'agissant spécifiquement du VIH-Sida, le Togo a voté en 2005 la loi portant protection des personnes en matière de VIH-Sida. Cette loi a été révisée en 2008 dans le but de prendre en compte l'approche genre et les droits humains. Beaucoup de projets ont été élaborés pour améliorer le vécu de la femme rurale. Le traitement préventif intermittent contre le paludisme donné gratuitement, la prévention de la transmission du sida de la mère à l'enfant, la construction de forages d'eau potable, la création de 7500 centres d'alphabétisation avec plus de 250 bibliothèques villageoises. En lançant officiellement les manifestations de cette 14e édition, accompagnée d'un don de produits pharmaceutiques, de vivres et de fournitures scolaires, la ministre en charge de la promotion de la femme a voulu faire de Astrama dans le Haro le point de départ d'une nouvelle prise de conscience en faveur de la gente féminine rurale. Je saisis donc cette occasion pour lancer un appel à tous les partenaires au développement, en les invitant à appuyer la mise en œuvre des programmes initiés par le gouvernement en faveur des femmes rurales. Le poids de la tradition a entravé pendant longtemps l'épanouissement de la femme rurale, par notamment une mauvaise répartition des terres. La ministre de l'Action sociale a plaidé à l'endroit des leaders traditionnels et religieux afin qu'ils favorisent l'accès des terres aux femmes rurales, sans oublier la scolarisation de la jeune fille.